Et c'est ici que mon chéri Coco Albert et moi, on venait souvent rester. Je suis venu ici pensant te trouver, mais tu n'es pas là. Celui de Jesus là, il est à chercher partout. Ne sais même plus quoi faire. Mais, rien si j'arrive quand même là-bas chez toi. Ton oncle, si c'est qui, si c'est le robot, le gros là. Il m'a fui, non. Maintenant, c'est moi, la lionne, lui, le chat. Ça, c'est même quelle histoire. J'arrive là-bas, mon cœur. Attends-moi là-bas, je viens. Ça n'est pas ça encore là-bas. Qui est Seigneur? Ce n'est pas. Ce n'est pas Albert là-bas! Sangha! Mon amour! Tu m'as trop manqué! Dis-moi que tu m'aimes! Je t'aime beaucoup! T'es cherché partout. Ouais, chérie, tu pleures. Ne pleure pas. Ouais, je suis déjà là. Ça va, ne pleure pas. C'est quoi? Ne pleure plus. Ouais. Alors, c'est quoi le problème? Je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime également, mon cœur. T'inquiète, je suis déjà là. Allons à la maison. Non, je ne peux pas. Tu sais, malgré l'amour que j'ai pour toi, mon oncle, pardon, je ne veux pas les problèmes, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas. J'ai réglé le problème de ton oncle là. T'inquiète pas. En quoi faisant? Yes, en te cherchant, non? Oui. Oui. J'ai croisé ton oncle là dans un bar, si c'était où. Je me suis arrêté, j'ai menacé le. Tu peux me pas. J'ai menacé ton oncle. Où il est là, non? Il me fuit seulement. Tu vas menacer mon oncle. Quoi? Tu veux voir? Ah, en tout cas, je te l'ai dit, allons-y. Alors. Tu veux laisser tomber mon sang. Aïe, je m'as trop mangé. C'est égal, tape. Mon racine, on tape. Tu ne tapes plus. Et parce que tu as porté la vie de mon frère et le collant de ma mère. Tu n'as pas manqué de plat. C'est ton problème. C'est moi qui règne bien dans cette maison. Si je vais te frapper, je vais te tuer ici. Oh, mais elle est courte fille. Est-ce qu'il y a un problème? J'accepte. Je suis courte. Mais moi, je vais te donner ma taille. Tu peux d'abord refuser. Tu peux te donner ma taille. Tu peux refuser. Tu auras la tête. Tu peux refuser. Je dis que je me retiens. Je te retiens pas. Je dis que je me retiens. Ne te retiens pas. Tape-moi. Je me retiens. Tape-moi. Tape. Et qui est? Ah. Tu ne tapes pas. Ah. Mais fais. Ah. Parce qu'on entend que je veux finir quelqu'un dans cette maison. On entend quoi? Je t'ai dit que je vais te finir dans cette maison. C'est moi qui règne ici là. Je vais te frapper. Je vais te tuer ici. Ne dors même plus. Ne dors plus. Et en plus, c'est pas ce que j'ai peur. Le cauchemar que tu vas avoir. C'est pas ce que j'ai peur. Attends. Tu es là, non? Mais te nuit. Tu es là. Mais te nuit. Hein? Elle continue. Elle continue. Vas-y. Tant que je vais te ramasser là. Et tu comprends que je vais te ramasser. Toi et moi, on va avoir la même taille. Et tu comprends qu'on va avoir la même taille. Attends, ne me lance pas ta sorcellerie là. Toi, mais ça t'aide. Je vais te faire finir ici. Je vais te finir ici. Oh! Mec, choc. Toi, tu me lâches pourquoi? Albert, c'est quoi ça? Donc, tu me ramènes ici pour voir ceci. Et en plus de cela, elle porte ton t-shirt. C'est quelle histoire ça? Je suis sûr que c'est maman là. C'est elle qui fait des choses comme ça là. Maman de quoi? Maman de quoi? Donc, comment m'a mise à la porte, tu as profité pour ramener cette chose ici là. Hé, hey, tu traites de choses. Toi, bien, si c'est à toi que tu m'arrêtes, tu es une chose. Tu es malade. Tu es une chose, madame. Tu es malade. Tu es malade. Tu vas avoir levé le t-shirt de mon mec. Tu comprends, non? Enlève ce t-shirt. Enlève ça. Ne va pas toi ici. Ça ne va pas. Tu penses que. Si tu es une femme, dépose cette jeune femme pour trouver ici. Je pense à vous. Tu vas me faire. Mais quand tu vas enlever ce t-shirt. Tu es malade. Tu crées quelque chose. Tu es malade. Oh! Je veux que tu sors quand je parle. Oh!
tape pas. Elle t'enseigne. Enseigner quoi? Elle te demande, je te parle chez toi. Va-t'en, je ne t'aime pas. Je ne parle 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 pas. Ok. C'est maman qui m'a amené d'ailleurs, il attend ici. Tu attends où? Qu'est-ce que tu pousses alors? Tu attends où? Attends, tu vas sortir. Il faut sortir. Je ne pars nulle part. Tu vas sortir, maman. C'est pas toi qui vas sortir. Je dis comme tu sors. Tu sors. Elle ne peut même plus dormir ici. Pardon, madame. Sortez d'ici. D'ailleurs, je m'en vais. Oui, pas. Ah, tu ne vas pas sortir. Tu cherches. Non, non, non. Allez, allez, allez. Ne laissez pas dans la poisse là. Tu as pas une poisse. C'est toi qui poisse. Je ne vais pas répondre à cette caresse, mais c'est quoi? Oh, laisse, tu vas quoi? Je vais te faire. C'est famille des pauvres comme ça. Tu fais le mariage, vas-y. On va comme ça. Personne comme ça. On n'a pas besoin de toi ici. Pas. Va-t'en. C'est ma chance comme ça là. Pas. C'est même quelle histoire ça. C'est même quoi ça? Je vais sur l'intérieur. Ok. Non, pardon. Toi et moi ne sommes pas amis. Je faisais juste ça pour mon propre intérêt. Et chier. Si elle se... Ouais, ma chérie, attends-moi, non. Ouais, ma mère, ouais, viens, elle t'a pas de mariage. Enfin, chérie, tu as pensé à moi. Ça fait des jours que je t'appelle. Il faut que je passe pas. Tu as déjà une autre femme ou quoi? Non, ma chérie. Excuse-moi, tu vois. C'est que, t'es quelque part, il n'y a pas le réseau. J'étais voir un Bengueter. Et là où il m'a appelé, il n'y avait pas de réseau là-bas, dans un village. Oui, par rapport à la... Non, par rapport à la maison. Tu vois. Et, chérie, il faut sourire. Parce que l'agent est déjà là. Ouais, l'agent est déjà accepté, là. Bien sûr. Mais lui, il veut plutôt la maison là où vous habitez maintenant. C'est ce qu'il préfère. Pourquoi cette maison-là? Bon, c'est cette maison-là qui est... C'est plus cher. Non. Mes enfants ont grandi dans cette maison. Chérie. Ils ne peuvent même pas accepter que je la vende. Tu sais, je me bats pour nous. Je me bats beaucoup pour nous. Il faut me comprendre. Chérie, ça sera compliqué avec les enfants là. Hein? Regarde. On vend cette maison là. Hein? C'est beaucoup d'argent. On trouve une autre maison. Chérie. Tu comprends? Je te comprends. Moi, je te comprends. Mais mes enfants sont nés et ont grandi dans cette maison. Mais ça fait quoi si tes enfants changent de milieu maintenant? Ah. Hein? On ne peut pas aller acheter une maison à Bastos. Ils ne seront pas fiers d'habiter à Bastos. Toi, tu sais comment les enfants ne t'apprécient pas. Maintenant, tu vas venir avec que je vais vendre votre maison. Vraiment chez vous. Ça, c'est un petit problème. Ça sera un peu compliqué. Tu comprends? Ça, c'est un petit problème. Ne te dérange pas par rapport à ça. Je gère la situation. Tu comprends? Et t'as dit que il vient, on vend cette maison. T'as dit que tout est déjà prêt. Tu n'as même pas besoin de lire les papiers. Dès que ça vient, seulement tu signes. Tu me fais confiance parce que je suis là, il fait pour nous. Tu comprends? Hein? C'est vrai, je te fais confiance, chérie, mais... Tu vois, c'est ce qui me dérange souvent avec toi. Parce que tu fais semblant de me faire confiance. Par contre, c'est pas ça. Ça va, non? Ça va. Tu me fais confiance ou quoi? Je te fais confiance. Alors? On lui a dit qu'il donnait combien? Est-ce que c'est... On va parler ces choses-là ici comme ça? C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que là, maintenant, on va aller vivre notre amour. On va voyager, aller à Londres, aller même au Pakistan. Hein? Je vais te faire découvrir des îles que dans ta vie, tu n'as même jamais rêvé. Hein? Tu sais que je t'aime beaucoup. D'accord. Tu vois? Okay. À un moment donné, tu as été trop renfermé. Ok, on avance. Voilà. C'est pas à toi que je m'adresse. Albert est où? Etienne, tu as laissé une gardienne ici là. Tu veux t'adresser à qui? Hein? Je m'adresse à toi non? Pourquoi? Attends, Etienne. Vous n'avez même plus peur, hein. Tu oublies ce qui s'est passé ici avant-hier. Hein? Après que j'ai fini de taper les cils, je viens pour te saluer. Tu m'as carrément rasé. Après, tu viens aujourd'hui, tu me poses que Albert. Je suis obligée de te répondre. Hein?
Je t'ai dit que quand il vient, il doit gérer tout, les papiers, tout. Tu comprends, non? Donc, dès qu'il vient, on dépose seulement, tu signes. Tu comprends, non? Tu n'as même pas besoin de regarder, quoi que ce soit, non? Tu signes seulement. Je te fais confiance. Voilà. Et si tu veux, on achète notre maison. Si tu veux, on donne notre maison aux enfants, il n'y a pas de problème. Oui, hein? Maison aux enfants. Ok, on va acheter notre maison ou on va aller vivre avec nos enfants. Tu comprends un peu? Voilà. Et en passant, comment vont nos enfants? Chérie, ça ne va pas. Comment ça? Dit, ça ne va vraiment pas. Tout va de travers dans ma maison. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la guerre dans ma maison. Albert qui tape sur sa soeur. Albert qui vit avec des petites filles de 17 ans. Hein? Ouais. Je ne comprends plus rien dans ma propre maison. Et t'as même bien dit que ton bulldog d'enfant là, je ne suis même pas sûr que c'est ton enfant. Je suis sûr qu'on a confondu cet enfant à l'hôpital. Toi aussi. Non! Parce qu'il a des réactions, je ne comprends pas. C'est comme s'il n'est pas un humain. Une petite fille, 17 ans. Détournement de mineur. Oh, j'ai déjà tout dit à Albert pour cette relation. Et en passant, il dit qu'il le fait pour moi. Parce que je suis avec toi. Moi, je suis un mineur. Je lui ai dit ça. Je suis un mineur. Comment il peut réfléchir comme ça? Il a dit qu'il le fait pour toi. En tout cas, j'ai réfléchi à quelque chose. Tu comprends? Avant que le Bengis ne vienne avec l'argent. Chérie, attends. J'ai même oublié la meilleure. Mes beaux frères. Il y a Chris qui est venu, qui m'a appelé. Il n'est même pas venu me chercher à la maison. Il m'a appelé. Retrouve-moi. Si c'était où là? Un endroit bizarre. J'arrive. Il me dit, alors accompagne-moi un peu. Je vais te montrer quelque chose. On entre. Il me montre le terrain. Il me dit, voilà le terrain. Tout ça, c'est pour toi. Ok. Je te dis, oh, je regarde l'espace très beau. Un très bel endroit. J'apprécie même. Non, je me disais que c'était le terrain de la famille. Mon mari va peut-être cacher les choses. Mm-hmm. Ce n'était pas ça. Jesus. Christ même. Ça, c'est même pas. Ce n'est même pas étrange parce que Christ même depuis là, le vivant de mon mari. Quoi? Depuis. Tu n'es même pas sûr que c'est lui qui a tué ton mari? J'ai pensé à ça. Christ m'a déclaré ça en amour. Hey! Il va me donner tout ça. Je suis dépassée là où tu me vois là. Mais attends. Toi, tu lui as. Tu viens menacer chez moi. Christ qui m'aime. Rome, c'est mes qui? Le costaud là qui m'a fait sortir l'autre jour. Mais le gars là, il aime terriblement les mêmes. À ce que je sache, c'est toi qu'on était en train de taper sauvagement là-bas. Tu étais couché là comme je ne sais quoi. Si je n'étais pas là, si je ne venais pas te secourir là-bas, c'est que tu es à quel niveau? Pardon, tu appelles quoi de secourir? Hein? Je vois vraiment que tu ne connais rien de la bagarre. J'étais en train d'attendre ma technique pour faire ma roulade. Après, tu es arrivé avec ton cou, gros corps là, pour dire après que tu m'as secouru. Toi qui? J'ai dit, tu ne m'insultes pas. Eh Seigneur! Oh papa! Je ne te crois. Je répète, tu ne m'insultes pas. Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Je pense que tu m'ignores. Tu ne connais pas. Maman, tu as fait quel challenge ici derrière jusqu'à ce que j'ai vu que oh, je dois avoir peur de toi. Tu arrêtes donc ça. Sinon. Je te dis que tu arrêtes ça. Sinon quoi, ma mère? Sinon quoi? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi un peu. Hein? Celui que tu appelles Chris là. Tu ne peux pas lui dire que non. Tu n'es pas ma qualité d'homme. Je lui ai dit ça. Il est comment? Tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. Je ne pense pas. Tu ne l'as jamais vu. Je vais te le montrer un jour. Mais attends, parle non. Toi tu restes, tu ne parles pas pourquoi? Dis que non, tu n'es pas ma qualité. J'ai tout dit, chérie. Et à la fin, tu peux même le gifler même s'il faut. Je l'ai abandonné là-bas. Alors? Je suis quand même bien élevé, je ne vais pas gifler quelqu'un comme ça. Je l'ai abandonné là-bas. Bon, moi j'appelle ça les conneries. Ok. J'ai pensé à quelque chose de très sérieux. Tu vois que à la maison là-bas, il n'y a pas un homme. C'est pourquoi il y a tout ce bois là. Pourquoi y a... Toi seul, tu ne peux pas. Tu es capable d'éduquer ces enfants-là. Alors j'ai opté à m'installer là-bas. Oui, avant que le Bengis ne vienne avec l'argent, je vais m'installer là-bas.
Hein, tu as dit quoi? T'installer dans ma maison avec les enfants là. Et qui est Jesus? Albert va te tuer. Comment ça, si? Albert va me tuer. Albert va tuer son père. Hein? Je te dis que je m'installe là-bas. Ah, tu comprends? Pour mieux éduquer mes enfants. Tobo, c'est quoi? Laisse ça. Chigolo. Ah! Si on voit, on m'appelle même ambassadeur. Si on voit, on m'appelle même consultant. Je m'en fous. Le problème, c'est moi et toi. Tu comprends? Hein? Et l'avenir de nos enfants. Parce que quand il n'y a pas un homme, hein, ton Jofu là, il fait ce qu'il veut. La fille, tu sais que la fille, elle dort même dehors souvent. Chérie, ça ne me dérange pas. Mais mes enfants là. Tu sais, oui. Tu sais, on dit que on bat le fer quand ça chauffe. Je sais. Tu comprends? Si on ne commence pas par leur mettre dans la tête, là maintenant que je suis leur papa, tu comprends? Ils ne vont pas s'habituer. Sur ce, je dois m'installer là. Hein? Okay. Et le fait de changer de maison, mais c'est bien pour toi. Là, ta belle famille va plutôt harceler. Je pense que tu ne me connais pas dans cette maison. Avec quoi? Je pense que tu ne me connais même pas. Et qui? Seigneur, regardez-moi les choses. Regardez-moi qui me parle. Je ne décide pas vertu de quoi. Tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je te dis et je te répète, tu ne m'insultes pas. Papa. Ne m'insulte pas. Donc, tu te crois tout permis ici, hein? Parle ta chose là-bas. Sinon quoi? Je te dis, tu vas me demander ton frère. Ne me demande pas ton frère. Je suis pas sa gardienne ou son porte-monnaie. Tu comprends? Hein? Tu ne te fais pas appeler sa copine. Je suis c'est pas le soi-disant nom qu'on t'a donné. C'est pas le soi-disant nom, ma chérie. Je suis bien aimée sa copine. Tu comprends? Copine, mon œil. Ouais, je suis sa copine. Copine, mon œil. Tu vas accepter ça. Accepter quoi? Dans cette maison. Tu me demandes ton frère. Tu peux pas aller chercher là-bas dedans. Hein? Je suis moi, je suis me trouvant en train de faire ma vaisselle. Tu me demandes Albert. Je suis sa gardienne. Tu n'es pas sa gardienne. Hein? Tu n'es pas sa gardienne. Je suis pas sa gardienne. Tu ne marches pas avec lui dans la poche. Tu marches avec lui dans la poche, non? Saisis, s'il te plaît, dégage de ma vue, tu sais. Fous-moi le cas, je t'en supplie. Va chercher ton Albert là-bas dedans, c'est quoi? Tu t'adresses comme ça à qui? À toi! Dégage, oui, fiche-moi le cas. C'est quoi? Tu me roules, c'est là, je vais me demander à Albert, c'est quoi ton problème? Va aller chercher là-bas dedans. Les gens que tu appelles, c'est Chris là, ou c'est le gros type là, le musclé là. C'est comment on l'appelle encore? Rob, c'est Rob que tu as appelé? Oui. Avec cet tas de muscles, de graisse, de sale graisse là. Il ne pourra plus venir t'embêter. Parce que là, il sait que ce ne sont plus les biens de leur frère. Hein? Ils vont l'imiter là. Voilà. Ok. Tu vois, moi, je réfléchis. C'est pour ça que je t'aime, chérie. Voilà. Donc, c'est pourquoi, tu sais que quand on fait les affaires comme ça, tu vois, on ne peut pas rester dans les chambres bidonvilles. Hein? C'est pourquoi il t'a amené ici. Tu vois le standing. Hein? Tu n'as même pas apprécié. Toi, hein, quand il te fait les bonnes choses comme ça, là. Il y a les bonnes choses. Ici, on appelle hôtel Mamoufou. Mamoufou, c'est encore quoi? Ah, car toi, si. C'est un Bouddha. Ça veut dire la mère des enfants. Voilà. Vous voyez ce que tu as fait là, mec. Non, tu vois, le cadre est agréable. Sécurité absolue. Le haut standing. Ah, Mofdé, laisse. Quand tu vas voir la chambre, parce que j'ai pris une chambre là, quand tu vas alors entrer dans la chambre, tu vas comprendre que... Je savais. Ah oui. Bon, tu sais que ça fait depuis... Hein? Il faut quand même... J'ai besoin... J'ai dit, j'ai un problème de dos là. Hein? Une fois, tu m'as massé ça avec les glaçons, c'est pas... Hein? Je prends encore le massage là. Hein? Mon amour. Oh, chérie. Tu es tellement... Bon, ramasse ça, on parle. Je vois que tu veux que je sorte de mes gants. Eh? Ce que celle-là t'a fait, ça ne t'a pas suffi. Fais quoi? Ce que t'a fait ne t'a pas suffi, ouais, non? S'il te plaît, je t'ai demandé, je te supplie, mais va chercher Albert là-bas dedans. Tu me trouves bien, refais-moi ma vie, tu veux de ma Albert, eh? Et quand je parle, tu la fermes. Ah, Seigneur, elle me menace. Je ne ferme pas. Je ne la ferme pas, s'il te plaît. Tu n'es rien, tu n'es personne. Même le déchet, tu n'es même pas. Donc quand je parle, tu la fermes. Je ne te permets pas d'aller plus loin que ça, tu suis, non? Suis-moi quoi? Tu vas je ne te permets pas. D'accord, j'ai tellement d'aller chercher Albert là-bas dedans. Ne m'énerve pas plus. Ferme ça. Ne m'énerve pas. Quand tu me fermes ta bouche, tu la fermes. Tu vas faire quoi? Tu la fermes. Tu la fermes. Oh, elle tient carrément, elle s'accoute, elle dit qu'elle me menace. Coute ta bouche. Tu es un cadavre, oh, je te dis. Et demain, elle est dégagée. À qui? Toi. À qui? Toi.
toi les morpions qui me dérangent dans ta vie. Tu fermes ça. Toi, me tu fermes ça. Tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Mais tu fermes ta bouche. Ouais, Seigneur. Ouais. Tu fermes ta bouche. Je suis en train de te dire que je suis à la maison. Donc trouve du temps pour qu'on puisse se voir. Non, sincèrement, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Chris, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Dans tous les cas, écoute, ce ne sera pas au téléphone. Toi et moi, on en avait longuement discuté. Je t'ai dit ma pensée. Tu ne peux pas te permettre un tel égarement. On est où là? Hein? Ça, carrément, tu ne nores pas la mémoire de notre frère. Dans tous les cas, je te dis, je suis à la maison, donc trouve du temps. Ok, tu trouves du temps et tu viens. Ça, je te le dis sincèrement. Je ne peux pas faire ça comme ça là. Attends un peu. Cécile est en pleurs là, je vais te rappeler. Antoine, je suis fatiguée. Qui est mort? Lève-toi, c'est quoi le problème? Ok. Cécile, il y a quoi? Lève-toi. Calme-toi. Albert a fait quoi? Encore? Il continue de me battre toujours à cause de cette fille-là. Attends, qu'est-ce que j'entends là? Albert t'a tapé encore? À quel moment? Et tu me parles de cette fille-là, mais je l'avais mise à la porte. Hein? Ce qui me semble, est-ce que cette fille-là, je l'ai même croisée dernièrement, elle m'a manqué de respect au restaurant, là, j'étais dans un restaurant. Elle m'a trouvé là, elle m'a manqué de respect et tout. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me parles, tonton. Il y a eu quoi? Tonton, Albert est revenu avec elle à la maison. Calme-toi. Tu dis quoi? Il est revenu avec elle à la maison. Cette fille est revenue chez vous? Oui. On vous dit, Abby. Donc, si je comprends bien, il n'y a plus de respect dans ma famille. Hein? Donc, depuis que, je ne sais pas, depuis quand Albert souffre le luxe de mépriser ce que je lui dis. Donc, il prend des décisions seules maintenant. Moi, je dis une chose et il dit le contraire. J'ai fait une chose, il a défait. Tu l'as laissé là-bas? Tonton, il m'a mise dehors. Quoi? Attends, Albert t'a mise à la porte? Oui. Donc, ça voudrait dire que lui, il conçoit que le chevaux est devenu le chez lui. Mamma mia. Donc, cet enfant-ci, je ne sais pas à la fin sur quoi le compter. Hein? On va faire simple. Tu vas prendre tes chaussures, n'est-ce pas? Tu as laissé votre main là-bas? Non, tonton. Celle-là, toujours dehors. Tu prends tes babouches. Tu t'en vas à la maison. Si tu arrives là-bas encore, Albert se permet de ne pas t'ouvrir le portail. Tu
reviens. Ou alors tu m'appelles directement. Tu as ton téléphone avec toi? Non. Tu vas en callbox sur mon numéro d'antenne? Oui. Ok. Tu vas dans callbox, tu me rappelles. Et tout de suite, je viendrai. D'ailleurs, que tu m'appelles même ou pas, quand tu m'as dit que cette gamine, est fou, donc cette petite effrontée là, hein, elle est revenue là-bas à la maison. Moi, ce que je vais faire, je vais arriver là-bas aujourd'hui. Et je verrai, Albert me dira qui de lui ou de moi est au-dessus de l'autre. Dans tous les cas, tu t'en vas. J'étais au téléphone avec tonton Chris. Je finis l'appel et tout. J'attends que tu me fasses signe. Ok? Tu me fais signe. Vas-y. Je verrai ça tout à l'heure. Mais on est où là? Donc Albert ne va pas changer. Donc Albert se permet comme ça. Moi, je dis une chose. Albert dit son contraire. Non. Fiston, je vais te montrer que moi, Rob le Grizzly, je ne vaux plus que toi. Attends-moi tout à l'heure que je finisse l'appel avec ton oncle. Et on verra ça.